The President, please be seated. The court is now in session. Nous reprenons l'audience. In today's session, the chamber is going to hear the testimony of the nous allons entendre two experts. Deux experts. We're going to hear Madame Françoise Zigoni-Guilbeault and Mr. K. Sonbonnat, as scheduled. Sonbonnat, conformément au calendrier prévu. Before we proceed to hear the testimonies of the experts, avant d'entendre les deux experts, may the greffiers be instructed to report the attendance of the parties to the proceeding and the people concerned. The greffier. Mr. President, the parties to the proceedings today are all present. Toutes les parties sont présentes. Except the civil party lawyers group 2 and group 4 who are absent. Groupe 2 et 4 de parties today civiles. We have Counsel Martino who is representing Maître the civil parties and who are joining us today. C'est la première fois qu'elle comparait. Correction. The experts, Madame Françoise Zigoni-Guilbeault and Mr. K. Sonbonnat are available, awaiting calls from the chamber. They have no relation with any parties to the proceeding, and they are ready to be called. Ils sont prêts à comparaître. The President. Since today we have a new counsel for the civil party, un nouvel avocat pour les parties and civiles. Although she has already taken an oath, but she needs recognition Maître before the chamber before we can proceed. Oui, puisque c'est la première fois qu'elle est parmi nous, il faut qu'elle nous soit présentée. Before we start the proceeding. According to Rule 23.7E(1) of the Internal Rule, the Chamber would like to invite the civil party lawyer, the National Civil Party lawyer, to seek recognition for the international co-lawyer. Du co-avocat international. Tisrina. Maître Tisrina. Mr. President, Monsieur Your Honor, Président, Madame, Messieurs les since juges, bonjour. The national lawyers in Group 1 are absent today, the civil party lawyers Group 3 are not here today, may I ask for Mr. President's leave actually to be on their behalf to seek recognition for the new counsel. The President, you may proceed. Tisrina, thank you, Mr. President. First of all, Your Honours, distinguished members of the court, I am Madame, Messieurs les juges, je m'appelle Tisrina, the national lawyer for civil party cambodgienne. Group 1. Je représente and I'm here to represent the civil party lawyers group 3 aujourd'hui, to seek voudrais demander recognition au nom from du groupe 3, the l'accréditation de l'avocat chamber étranger as a whole par to recognize
Counsel Martino afin que Maître Martino from the Paris bar, du barreau de Paris, she has already taken an oath before the appeal court of Cambodia. Elle a déjà prêté serment. The ceremony conducted in 2008 a eu lieu en décembre, pour être précis. Could the chamber please recognize her? Je demande donc l'accréditation de Maître Martino. The President, président, Counsel Martino, you are now recognized Martino, vous êtes maintenant accrédité as a civil party lawyer for civil party group 3 for the purposes of the proceedings before this chamber. According to this recognition, you will enjoy the rights and privileges as the national lawyer. Please be seated. Vous pouvez vous rasseoir. Mr. Alain Huerner, Werner, I note you on your feet. You may proceed. Merci, Monsieur le Président. Mr. Werner, thank you, Mr. President. Your Honours, good morning. Comme vous pouvez le constater, as you have noticed probably, les parties civiles qui assistent civil parties, depuis 5 mois tous les jours aux audiences, months, ainsi que les parties civiles qui étaient censées as well as venir cette semaine to come this directement week, des provinces pour assister également aux audiences, to participate de ne in pas the hearings, have decided not to come cette semaine, lundi, this week, mardi et mercredi Monday, aux audiences, Tuesday, et nous Wednesday, ont demandé and requested from d'informer us la Chambre that we inform the chamber que cette action, that this leur action, or their action est directement liée à votre décision du 27 août dernier n'autorisant pas les avocats des parties civiles not authorize the civil party lawyers à poser des questions à un certain nombre d'experts to a certain number of experts et de témoins. And il a été un peu difficile pour les avocats d'expliquer cette décision à un certain nombre de parties civiles et nous serions gré si nous pouvions recevoir aussitôt so possible les motifs écrits de cette décision, ce qui nous aiderait probablement à tenter d'expliquer à nos clients, certains de nos clients, cette décision. Nos clients, ces parties civiles nous ont également demandé de dire à la Chambre qu'elles se sont ou elles vont s'exprimer d'après ma compréhension elles-mêmes en dehors de cette enceinte sur leurs motifs et qu'elles adresseront notamment une lettre ouverte à votre chambre. Je vous remercie. An open letter to your chamber. Thank you. The President, thank you, Mr. Alain Huerner, for your explanation and clarification in relation to this matter. De ces explications. Before we call the expert to the courtroom, the chamber would like avant de faire entrer to les experts, inform the parties to the proceedings and la the public informer les parties et le public regarding the schedule of the chamber. De la chambre. Today, the chamber is going to hear the testimony of the aujourd'hui experts. Aujourd'hui, nous entendrons les experts, two experts. Deux experts. They will testify together. They will first summarize their report filed during the OCIJ stage and then present the update of this report. Questioning will follow in accordance with the attached table. Due to the scheduling constraints, the chamber has decided to hear the witnesses scheduled for next week, the 1, the 2, the 3, the 4, the 5, and the 6, immediately after the testimony of experts as mentioned. Que nous entendrons aujourd'hui.
If the testimonies scheduled for next week finish early, the chamber will continue the questioning of the accused on his character. If time allows, the co-prosecutors and the defense will also be able to question the accused at this time. On the 14th and 15th of September, the chamber will hear the testimonies of experts and witnesses Richard Goldstone, Raoul McGenin, Christopher Lepel, the aide, and Stéphane Hessel. And on the 16th of September, full day, and 17th of September, morning only, the chamber, the co-prosecutors and defense, as appropriate, will finish the questioning of the accused on his character. The chamber will also deal with procedural matters, such as putting documents before the chamber under Rule 87 at this stage. If more time is needed for this, hearings will continue on the 22nd and, if necessary, 23rd of September. So this is the new schedule which has been recently finally decided by the bench. Ainsi qu'arrêté par les juges. We note Mr. François Roux is on his feet. You may proceed. Merci, Monsieur le François Président. François, thank you, Mr. President. La défense voudrait the rappeler would like to remind that l'expert qui devait the venir, expert who was Monsieur scheduled King, to come, Mr. Henry King, est malheureusement décédé. Unfortunately, has passed mais away. Il avait établi une déclaration écrite. Et donc la défense souhaitera like que l'on donne lecture de la déclaration écrite du professeur Henry King. Et que cela soit and fait we would like this to be pendant during que l'on entend pendant la période où on entend les témoins de la défense. During the period when the witnesses, the defense également, witnesses will be questioned. La défense and a the defense also indiqué qu'elle souhaitait that it wishes à l'occasion de l'audition de ces témoins when these witnesses que l'on will be procède that we au visionnage view d'un extrait an excerpt de l'audience from the Obrenovich hearing devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. ICTR, la défense a préparé has prepared ces extraits par DVD qui seront remis DVD aux parties. Experts, excerpts, correction interpreter, that will be given to the parties. Également, Monsieur and le as Président, well, Mr. President, Madame et Messieurs les juges, in your honors, la défense the defense suggère respectueusement is respectfully à la Chambre suggesting to the chamber qu'en ce qui concerne regarding ces témoins, these witnesses, qui sont des témoins de personnalité, these are witnesses in regards to character, on laisse chacun de ces témoins allow each one of these faire witnesses d'abord to une déclaration spontanée first come up with a spontaneous statement avant before que l'on lui pose des questions. We put questions nous considérons to them. Que cela sera plus cohérent coherent, et permettra d'aller plus rapidement to move dans ahead le témoignage. Rapidly, in, the process of these statements. Et enfin, and finally, dernier point, last point, nous avons pris connaissance du calendrier que vous venez d'indiquer, Monsieur le Président. D'ores et déjà, and je voudrais vous dire now, que like nous pourrons avoir une difficulté pour le temps consacré à Monsieur Raoul Génin. Nous souhaitons que d'ores et déjà, like, now, il soit envisageable de donner un peu plus de temps, si nécessaire, a bit more time, if à M. Raoul Génard. Je rappelle like to que l'expert des coprocureurs co-prosecutors qui est intervenu sur des thèmes assez semblables brought up similar a témoigné pendant plus de deux jours, for more than two days. M. Etchison, this is to say Mr. Etchison, il ne serait pas convenable we believe that it would not que l'expert be de la défense
to have qui intervient sur des sujets similaires, who is going to be speaking about similar issues, regard, but maybe with a different point of view. Well, we do not believe that it would be suited that he be limited to 2 hours and 20 minutes. Alors, M. So, Génard n'aura pas besoin Génard de 2 jours, will not need 2 days, mais il aura peut-être besoin d'un peu plus que 2 hours and 20 minutes. Voilà les observations que je souhaitais présenter respectueusement à votre chambre. Je vous remercie. The President, court official is now instructed to call both the national and international experts into the courtroom. Qui seront entendus ce matin. The President, good morning, the experts. Bonjour, Madame, First Monsieur. Of all, the Chamber would like to ask the national La Chambre voudrait commencer expert par in relation to the background and his involvement in the proceedings. De parler de sa participation à la procédure. Could you please tell the court whether your name is Carson Bonnat? Est-ce que vous appelez bien Mr. Carson Bonnat? It is correct, Your Honor. Témoin expert. Oui, Monsieur le Président. The President, Mr. Carson Bonnat, how Monsieur old are you Bonnat, this year? Quel âge avez-vous? Response, I'm 56 Réponse, years old. J'ai 56 ans. Question. Question. What is your occupation? Quel est votre métier? Response. Réponse. I am the dean of the faculty of medicine de la faculté de médecine de Phnom Penh à l'Université des sciences de la santé. Question, where do Question, you live? Où habitez-vous? Response. Réponse. I live at number 18A street. J'habite au 118 rue 113, Krat de Bung Pralit, Phnom Penh. À Phnom Penh. Question. Question. Are you related to any parties to the proceedings? Est-ce que vous avez un lien de parenté avec les parties à la procédure? Response: No, I'm not. Réponse: Non. Question: Question. Have you taken an oath before you were called into the courtroom? Avant d'entrer dans la salle d'audience. Response: No, I have Réponse, not non, taken encore. An oath yet. Question. Question. Which religion are you a follower? Quelle est votre religion? Question. So, of which religion are you a follower? The President, could you please be instructed that
Le président, vous n'avez pas Please wait until you see the red light is on your console before you proceed to speak. Question again. So, of which religion are you a follower? Response: No, I'm not a follower of any particular religion. Je ne suis pas de religion particulière. The president. Next, we would like to proceed to put questions to Madame Françoise Sigourney-Guilbault. Good morning. Bonjour, madame. Is your name Est-ce que, vous vous appelez Sigourney-Guilbault? Françoise Sigourney-Guilbault. C'est exact. Yes, indeed. The question, how old are you Quel âge avez-vous? J'ai 51 ans. I'm 51 years old. The question. What is your occupation? Quel est votre métier? Je suis psychologue et maître de conférences à l'université Paris 8. I'm a lecturer at the University of Paris 8 in Paris. Question. Where do you live? Où habitez-vous? J'habite à Paris. Answer. I live in Paris. Question. Are you related by blood or do you have any affiliation with parties to the proceedings? Avec l'une des parties à la procédure? Je n'ai aucun lien de parenté avec No, I have no affiliation with any of the parties to the proceedings. Question. Which religion are you observing? Quelle est votre religion? J'ai été baptisé catholique. I was baptized Catholic. The president. Le président. The graphie, Natasha. Can you Je make necessary arrangement de prendre les dispositions for the expert Sironi to swear before the chamber? Pour permettre à Madame Françoise Sironi-Guilbault de prêter serment. Veuillez répéter après moi. Please je prête serment d'apporter me. Mon concours à la Chambre, fidèlement, confidentiellement et au mieux de ma compétence. Je prête serment d'apporter mon concours à la Chambre, fidèlement, confidentiellement et au mieux de ma compétence. I solemnly declare that I will assist the Chamber honestly, confidentially and to the best of my ability. The president. Le président.
The chamber now would like the greffier, Luc Perry. La chambre souhaite à présent inviter le greffier, M. Luc Perry, for the expert Gaston Bonnard, de procéder to take an oath according to his own belief before this chamber. Selon la religion de notre expert cambodgien, M. Sumbonat Ka. Mr. Perry, please repeat after me. Monsieur Perry, le greffier, veuillez répéter après moi. I solemnly declare that I will assist the chamber honestly, confidentially, and to the best of my ability. Fidèlement, confidentiellement et au mieux de ma compétence. I solemnly declare that I will assist the chamber honestly, confidentially, mon concours à la chambre fidèlement, confidentiellement et au mieux de ma compétence. Le président. The chamber would like now to put some questions à présent, la chambre to the experts. Poser des questions aux experts. And before we hear the expert report, avant de I would like to put some questions experts, to understand the background of the two experts. J'aimerais essayer de mieux comprendre les antécédents des experts et vous poser Guilbeau. Ainsi un certain nombre de questions. Madame Sironi Guilbeau. So you earned your doctorate degree and you're a teacher and you got your degree from a university in France, is that correct? Et vous êtes diplômé d'une université en France, est-ce exact? C'est exact, Monsieur le Président. That is correct, Mr. President. Question. And from 2004, you are an expert to the Court of Appeal in Paris. Vous avez is this travaillé correct? En qualité d'expert près la Cour d'appel de Paris. Oui, tout à fait. That is correct. Question. In addition to the certain reports, en plus. Of the people who suffered torture, you wrote a book rédaction de rapport de victimes de la torture, vous avez écrit un livre intitulé Psychological Victims, victimes psychologiques, est-ce exact? Oui, c'est exact, Monsieur le Président. Answer, yes, that is correct, Mr. President. Question. Do you have researched and studied vous avez the effectué means des travaux de for recherche treatment of the tortured victims? Portant you sur also studied la prise en charge des victimes de la torture. Method, vous avez également effectué des travaux sur les méthodes psychologiques de torture impact. Et sur ses correct? Impacts psychologiques. Est-ce exact? C'est exact. Answer, that is correct. Question. You participated in the founding of a center à la for torture victims, and it is called Brimo-le-Vie. And presently, you are managing et à l'heure actuelle, a clinical and research center for psychological victims at that university by focusing on the tortured victims, genocidal victims, and the mass massacre and torture. Is this correct? Ainsi que les victimes de la torture. Est-ce exact? Monsieur le Président, c'est exact que j'ai créé avec d'autres personnes le centre Primo Levi à Paris, le centre de soins pour les victimes de torture. Et ce que vous avez dit après est exact, mais actuellement, je n'exerce plus la fonction de directrice au centre Georges Devreux pour occuper d'autres compétences actuellement. President, thank you Président, for your je response. Vous remercie, Madame, de votre réponse. You have assisted
people who committed political crimes, and you helped establish a rehabilitation center in Russia where elderly people participated, and those people who used to work in the Pakistan, and also people who used to be part of the Algerian war in France. Qui ont participé à la guerre d'Algérie en France. Est-ce exact? Oui. Oui, c'est exact, Monsieur le Président. En Russie, il s'agit d'un centre, d'accompagnement, un centre pour les vétérans de la guerre qui ont participé à la guerre, non pas au Pakistan, mais qui ont participé à la guerre en Afghanistan et en Tchétchénie. Et en France, je m'occupe également d'anciens d'Algérie, d'anciens combattants qui ont participé à la guerre d'Algérie, à la guerre d'Indochine et aux guerres plus récentes. Indochina and more recent wars. President, thank you, madam. President, je vous remercie, madame. Mr. Kasunbunat. Monsieur Kasunbunat. You are the professor of psychiatry and also the dean of the Faculty of Medicine at Phnom Penh University of Health Science, and you are also the director of the National Program for Mental Health of the Ministry of Health. Is that correct? That's exact. Kasunbunat. Yes, Mr. President, that is correct. Oui, Monsieur le Président, c'est exact. Le président. It is now time for the chamber to le moment est venu. Invite the experts, les experts to provide their descriptions on their report à faire leur based on the request by the court. Prosecutors, on a letter dated 24th of January 2008, you are instructed to provide a psychological report on the accused Kangat Il, alias Deutsch. You did the report in order to understand and to provide the description of the character of the accused based on his own personality, the level of his understanding, and make judgment. And whether he is a person who is prone to be affected by other people, and also his ability to emphasize or to have no empathy for anybody, or whether he is affected by any psychiatrical factors, as well as to indicate the scope of these impacts as a result of his involvement or actions. Also, the scope of his life based on the social and revolutionary à ses activités ainsi que context sur from the le contexte 17 l'influence April 75 until the 6th January 79 and until the present date. You are also instructed to provide certain critical points aujourd'hui through your expertise and also the interaction by the co-investigating judges sur la personnalité in order to respond to the defense counsel whether the accused is capable to be reintegrated or rehabilitated into the society as per the order of the 5th of February 2008. And your report dated 31st of March 2008, document B1/4, with year and in Khmer 00210946200210081, and in English 00210822251, and in French
00177506276. Figurant la cote Khmer 00210946 20. Documents requested by the chamber during the proceedings to provide an updated assessment on the psychological report. Nous vous demandons également de nous fournir une réactualisation de ce rapport d'expertise psychologique suite à votre récente rencontre avec l'accusé. La chambre vous invite à nous présenter les résultats sur la base des points que je viens de présenter. Start to make your report. We would like to remind you that in your presentation of this oral report or in answering the questions that will be put to you by the chamber and the parties to the proceedings, à la Chambre ainsi qu'aux parties you can make a joint report or an individual report based on your mutual understanding or one of you representing the truth. De présenter chacun d'entre vous certains aspects de ce rapport. S'agissant des réponses que vous présenterez à la Chambre et aux parties if the questions are too general and not for any specific expert, any one of you can respond to that question and another expert can add or supplement the question or remain silent. Individuellement aux questions in relation to the presentation or report or the answering of the questions, you two are entitled to choose who is going to respond to the questions. The chamber also would like to remind you that it is very important for you to speak slowly in all in chronological order to assist the interpreters and try to avoid using technical terms in order for everybody to understand the content of your report. À toutes les parties au débat de comprendre the la chamber would de like now to rapport. Give you the floor to make your presentation on the psychological report on the accused. You can proceed. Compte rendu concernant l'expertise psychologique de l'accusé. Je vous en prie. Monsieur le Président, nous tiendrons compte de toutes vos recommandations. Mr. President, we will indeed take into account all your recommendations. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, nous allons vous présenter un résumé de l'analyse psychologique que le professeur Kassoun Bonnat et moi-même avons effectué en 2008 concernant l'accusé. Cette présentation inclut également l'actualisation de cette expertise psychologique réalisée la semaine dernière. Merci de bien vouloir nous accorder environ 50 minutes à cet effet. Mais avant de commencer, nous tenons tous deux à adresser nos plus profonds hommages aux victimes décédées et notre plus profond respect à l'égard de tous les survivants, de leurs enfants et de leurs familles. Nous tenons à expliquer et surtout à l'intention des victimes ici présentes qu'une expertise psychologique d'un accusé n'est assurément pas une justification des crimes qui lui sont reprochés. L'expertise psychologique a pour fonction d'éclairer la justice sur la personnalité d'un homme, quel qu'il soit, et d'aider à faire comprendre ce qui lie un homme à ses actes, à ses engagements, fût-il les pires. Monsieur le Président, vous avez rappelé les questions qui nous avaient été posées par les co-juges d'instruction, et il y avait également une question qui concernait le fait de procéder à l'analyse de son parcours de vie en tenant compte du contexte culturel, politique et sociologique tant à l'époque des faits qu'aujourd'hui. Et nous tenons à rappeler très brièvement, à faire un résumé de ce parcours dans la mesure où la compréhension de la personnalité de l'accusé ne saurait être entendable ou compréhensible si nous ne procédons pas à, à cette analyse déjà du parcours de vie. Pardon, je parlais trop vite. Forgive me, I was speaking too fast. Comment avons-nous procédé pour réaliser cette expertise psychologique? L'approche que nous avons adoptée est celle de la psychologie géopolitique clinique. J'ai été amenée à élaborer cette approche clinique à partir de 20 ans d'expérience professionnelle, tant auprès des victimes de torture, de génocide, de viol et de massacre, qu'auprès des auteurs de violences collectives. Les événements de vie liés à la petite enfance
à l'éducation, à la famille, ne suffisent pas pour comprendre les auteurs de crimes contre l'humanité. La psychologie géopolitique clinique rend compte de l'articulation en chacun de nous entre histoire collective et histoire individuelle. Elle rend compte du poids des facteurs politiques, économiques, historiques et culturels sur la personnalité d'un sujet au même titre que le poids des événements de vie intimes, celui de la petite enfance et celui du rôle de la famille, celui du rôle des maîtres, en l'occurrence dans la culture cambodgienne. Le professeur Kasun Bonat est psychiatre, est ici présent, un psychiatre, mais il a déjà été présenté. Donc, je voudrais juste dire à la Cour que cette expertise a été effectuée en pleine complémentarité entre la manière occidentale de comprendre la criminalité politique et le contexte culturel khmer au cours de ces différentes périodes historiques. Lors des entretiens d'expertise, nous étions quatre. Le professeur Kasun Bonat, M. Uch Chanora, interprète assermenté auprès de la Cour, moi-même et l'accusé. Les experts et interprètes étaient tenus au secret professionnel pendant tout le temps de l'instruction. Nous avons effectué 13 entretiens d'expertise d'une durée moyenne de 3 heures chacun entre les mois de février et de mars 2008. Le rapport a été rendu au co-juge d'instruction le 31 mars, un mois après 2008. Puis, nous avons effectué 3 entretiens d'actualisation de l'expertise psychologique les 28 et 29 août 2009. Pour mener à bien notre mission, nous nous sommes basés sur la prise de connaissances et l'analyse des documents suivants. Les entretiens d'expertise psychologique qui constituent bien évidemment, la pièce maîtresse de notre analyse psychologique. Nous avons également eu connaissance de l'ensemble des procès-verbaux d'interrogatoire du détenu. Nous avons également eu connaissance des 2 procès-verbaux de confrontation du détenu avec les témoins en date des 28 et 29 février 2008. Nous avons également pris connaissance du dossier médical de Duch depuis son arrivée au centre de rétention au sein de l'enceinte géographique des chambres internationales. Nous avons également eu accès à l'enregistrement vidéographique de l'interrogatoire du mois d'octobre 2007 au cours duquel l'accusé présenta une lettre d'excuse auprès des survivants, des morts et des familles des victimes. Enfin, nous avons également consulté et analysé l'enregistrement vidéographique des reconstitutions à S21 et à Chenet. Tout ça constitue donc l'expertise psychologique. Au cours des entretiens, des 13 entretiens, Duch s'est montré très coopératif, attentif et ouvert tout au long de la réalisation de notre investigation psychologique. Nous avons constaté une nette différence entre la première série d'entretiens psychologiques, soit en février 2008, et la deuxième série d'entretiens qui a eu lieu plus tard en mars, et qui a donc eu lieu après la reconstitution des faits à S21 et à Chenet. Dans la première série d'entretiens, il se racontait d'un point de vue extérieur, comme s'il se décrivait comme un observateur, et dans la deuxième série d'entretiens, il a davantage commencé à adopter un point de vue intérieur, plus personnel, sur sa vie, sur ses actes. Ceci était encore plus perceptible lors des entretiens que nous avons menés la semaine dernière et qui ont eu lieu donc suite à 4 ou 5 mois de procès.
Dutch a présenté quelques signes de fatigue au cours du déroulement de l'expertise psychologique. Il s'est mis à souffrir de maux de tête après la reconstitution et il présentait des difficultés d'endormissement en début de semaine qui se sont ensuite bien vite atténuées. Il se mit alors à avoir quelques rêves la nuit, chose qui ne lui était absolument pas habituelle. Ceci témoigne pour nous d'un impact réel, mais limité, de la reconstitution sur son fonctionnement psychologique. L'examen du dossier médical n'a montré aucun signe de changement notoire quant aux paramètres physiologiques tout au long de la procédure judiciaire et de l'examen psychologique. Hormis quelques maux de tête et des signes passagers de fatigue. Le professeur Kasun Bonat, qui a fait son évaluation psychologique depuis le début du procès, n'a constaté aucun changement de paramètres physiologiques concernant sa santé mentale. Commençons d'abord par présenter les faits les plus marquants qui ont consciemment ou inconsciemment influencé le parcours de vie de l'accusé. Autrement dit, comment devient-on Dutch ? Premier point qui nous a paru important, c'est l'importance des changements de nom dans son existence avant et après la période Khmer Rouge. Même si au Cambodge, on change les noms et parfois les dates de naissance plus facilement qu'en Occident, le nom que l'on porte, son choix, sa signification, sa résonance pour qui le porte, joue un rôle très important dans la construction de l'identité du sujet, dans la stabilité de cette identité et dans la confiance en soi. Avoir changé plusieurs fois de nom, tant du fait des autres personnes que de son propre choix, c'est comme avoir plusieurs identités successives ou parallèles. Dutch a été enregistré sous le nom de Keng Keu à l'état civil en 1942 et je vous prie d'excuser ma mauvaise prononciation. Quand il avait 2-3 mois, un devin a fait pression sur ses parents pour qu'ils changent le nom de leur enfant. Ce changement de nom devait lui garantir un meilleur futur, car le devin y voyait des choses difficiles, et notamment le fait qu'il pouvait attraper des maladies graves. Son nom fut donc changé en Im Keu. Dutch n'aimait pas ce nom, car il signifiait lent, pauvre, démodé, traîneau ou traînard, et il ne voulait pas porter un nom donné par un homme qu'il n'admirait pas, je cite ses paroles. Le fait d'avoir été renommé, d'avoir changé de nom à 2-3 mois et de surcroît par une personne déconsidérée de lui peut suffire pour agir à un niveau inconscient comme une imposition d'identité par un autre. À l'âge de 15 ans, Dutch demanda l'autorisation de changer de nom à son père et aussi il lui demanda l'autorisation de baisser son âge. Il a commencé l'école tard, à 9 ans, et le fait de se rajeunir administrativement lui permettait de passer ses examens, chose qui a toujours été très importante pour l'accusé. Il s'est appelé Gek Eo alias Dutch. Encore mes excuses pour la prononciation. Lors de l'expertise psychologique, l'accusé s'est dressé, les bras serrés le long du corps, comme au garde-à-vous, quand il nous a expliqué que Dutch, je le cite, cela veut dire l'écolier qui se dresse quand le maître lui demande de se lever. Dutch, c'est aussi le nom du sculpteur du grand Bouddha de la pagode de Po Weu à Siem Reap. Fin de citation. C'est également le nom le plus courant qu'il a utilisé pendant la période Khmer Rouge. En Chine, où il a vécu de fin 86 à juillet 1989, comme enseignant de Khmer, il se faisait appeler Hang Ping. Toujours sur l'importance de la nomination.
Il a décidé de donner son vrai nom, son nom de naissance, donc, à son petit-fils, Keng Yun Chou. On constate que le nom Yun, son nom chinois, le nom de son père, est réintroduit dans la nomination. L'inscription dans la lignée chinoise est donc importante pour lui. Elle signifie une revalorisation culturelle à ses yeux. Du Chet est en effet d'origine chinoise. Il a été naturalisé cambodgien. À l'époque, avant l'arrivée de Mao au pouvoir, les Chinois n'étaient pas bien considérés au Cambodge, nous dit-il, et cela a été attesté par d'autres témoins. Ils les étaient dévalorisés, parfois méprisés, voire rabaissés. Abordons maintenant l'enfance et la vie de famille pour pouvoir ensuite rentrer dans l'analyse de la personnalité. So that we can then delve into the analysis of his personality. So Duc's father lost his parents at a very young age. He was self-taught, like Duc, who will claim this quality later. Un autodidacte de self-taught. D'apprendre tout seul. He was able to learn everything on his own. N'a subi the accused underwent no violence during his childhood, he said, even though he was beaten several times. C'était habituel. It was usual back then, et ce n'était and it was never exagéré, in an exaggerated fashion, he said. La mère de Duc, Duc's mother, encore vivante, who is still alive, est restée sans nouvelles de son fils remained without any news of her son for the past for 15 years after the fall of the Khmer Rouge. Sans émotion and this, he says, without showing any emotion for her during the first interviews. And he will explain, he will also betray no particular emotion when he speaks about his father who died in 1980. He will say to us that I could not be at the same time a revolutionary and have feelings. He respected and very much admired a Buddhist priest with whom he had lived from 1962 to 1965, that is to say between the ages of 20 and 23, when he was in high school to study far from the home village. It was of he that I dreamt later when I was in China, and not of my father. I never dreamt of my father, he would notice. Duc semblait plus attaché à sa mère, qu'à son père. Il nous a également parlé de sa sœur aînée, dont il a fait beaucoup de choses pour nourrir la famille. Duc admirait également un vieux bonze, le chef de la pagode de sa région natale. Celui-ci lui sauva la vie car il était malade. L'admiration, nous le verrons tout au long de sa biographie, de notre analyse psychologique, est nécessaire à Duc pour agir, pour avancer dans la vie. To move ahead in life and to act. Que s'est-il passé lors des 15 ans de Duc? When Duc was 15 years old. 15 ans est un âge clé dans la vie de Duc. Il prend pleinement conscience de la situation sociale de sa famille et de l'enchaînement de son père à un oncle usurier chinois. Toute l'économie familiale est engagée, tout le monde travaille dur. The livelihood of the family is committed so that the family can get out of the situation. It is back then that he discovers the existence of an economic system that is not based on usury, that is not based on exploitation, and that represents to him an ideal solution to exploitation. This was communism. Autour de 15 ans, at the same age, at the age of 15, the accused was very strongly impacted by the official visit of a Chinese dignitary to Cambodia. His Chinese identity was strongly valued, whereas Chinese were misconsidered, devalued, and humiliated by Cambodians, he would say. I felt proud to be Chinese, he says. À la même époque aussi, un instituteur well, le marqua profondément du fait qu'il dénonçait courageusement la corruption et l'injustice sociale. Cet instituteur sera néanmoins exécuté plus tard S21, this school alors teacher will nonetheless dirigé par Duc. Executed later on at S21, which was then run by Duc. As long as a prisoner arrives at S21, he is an enemy, he will say, without questioning the decision si of his superiors. If at the age of 15, he understands fully the exploitation and the usury, it is at the age of 20 at the Sisowat College that he becomes fully aware of the gap that exists between the poor rural population and
Il rencontre en 1964, qui est un intellectuel francophone mentor, Sonsen, et un psychopédagogue. Sonsen, qu'il va appeler maître. Sonsen, he will call master Duke later on. Est très impressionné, is very much impressed, très admiratif very much in pour les connaissances véhiculées par ses enseignants français. That is being conveyed by his French il acquiert teachers. Des connaissances he acquires knowledge en by identifying to his masters. Ce sont des These are models. Même s'il Even a été if he has been physically abused by certain of these, il découvre que cela n'avait pas d'importance pour lui. Hein, c'était même habituel. It was just usual for him, étudiant, in fact. Il découvre As a student, le stoïcisme, c'est-à-dire that une doctrine say, a qui professe l'indifférence devant ce qui affecte la sensibilité. In the face of anything that can have il découvre an effect donc on le stoïcisme He discovers stoïcisme d'un professeur through the teachings of a teacher whom he still remembers today with admiration, Mr. F. L'accusé gardera la passion d'enseigner et de former ses subordonnés, d'enseigner aux étudiants et de former ses subordonnés toute sa vie, comme enseignant d'abord, puis à S21, during his entire life, puis en as a teacher first at S21, and then in China, and then in the refugee camps. Le parcours de Duch Duke's life history is therefore determined by his need for an ideal. It is also impacted by what we can call in our own jargon, in our psychiatric and psychological jargon, experiences of acculturation and experiences of deculturation. Définition. Definition. L'acculturation désigne toutes les expériences de rencontre kind of avec d'autres cultures différentes culture, de la nôtre, which is different from ours. Cette rencontre This encounter a toujours has un impact sur la constitution de notre identité. Of our identity. Et elle peut être And traumatic ou not. Rencontre. Cette rencontre or peut être positive can also ou be non. Positive or not. Cette acculturation, this acculturation cette rencontre peut être désirée can ou crainte. Desired consciente or feared, ou inconsciente, conscious en tout cas, or elle laisse not conscious, toujours or in any case, des traces. It always leaves an impact. La déculturation désigne un changement radical, radical de culture et de structure sociale. Culture and of La déculturation, c'est ce que l'on désigne également is what we dans notre jargon designate in our jargon as l'attaque d'une culture sur une the autre. Attack une culture, of one culture on another, another way of thinking. Culture is another way of thinking, and that imposes culture. Itself and that on changes the other culture. So therefore we can consider that communism was a form of deculturation in his général. Personal history and in nous general. And we focused aux then raisons de son engagement on the reasons for his adherence to the Communist Party Ce of Kampuchea. Qui l'ont initié aux thèses marxistes. Are the ones who taught him Marxist de, il cite theories. Son professeur de he géographie. Quotes his geography que chacun produise selon ce qu'il est capable de produire. Que chacun reçoive from selon from sa nécessité. From his ability, ce sont everyone des thèses according qui to his needs. Absolument juste These pour lui à cet âge-là. Absolutely true for him Trois at that age. A third element, three events are going to take place at that moment in his life that will have a strong influence and that will orient him consciously or unconsciously Premier towards Marxism. Marquant the first impacting sa element in a psychological life is Deuxième événement, a romantic disappointment. Sa Second event, it is the theft of his bicycle because cours, this will prevent him from going Duke to class, whereas Duke is so much événement, attentive to teaching. And the third event that seemed important to us was the amis, arrest of 10 of his friends, one of which he considered Autre as a brother. Du Another impacting event in his life history and on his psychological functioning, it is his detainment. De his arbitrary detainment from 1968 to 1970 and his release through tante, thanks to his great aunt which put him in a disturbing lui. Position Il for him. Libéré, he was relieved of course to be released but at the same time temps, he had at the same time cela, to hide this because he could be considered as a traitor by the Kampuchea. Communist Party of Kampuchea. Ses fonctions à M13 et à his S21 position at M13 and at S21 will reveal other aspects of his personality, in particular a strong need for affiliation for affiliation to a group, and also a great need to be recognized, to be acknowledged by his superiors. He will tell me, my superior stimulates me. That's end of quote. Vornvet, son maître, Vornvet his master, was tortured and executed at S21 in 1977.
As you know, cet épisode inaugure la période de doute et de peur qui s'installe alors de plus en plus chez Duke. Lui qui a tant besoin de tout contrôler est confronté à une absence de lisibilité de l'Ankar. Pourtant, il continue son travail, peut-être même avec plus de zèle. Comment expliquer ceci? Par ce que l'on appelle, toujours dans notre jargon psychologique, la formation réactionnelle. Formation réactionnelle, c'est-à-dire faire preuve de zèle, d'allégeance extrême pour cacher sa peur ou pour faire taire ses doutes. L'obéissance, dépasser les attentes du maître, voire le précéder, deviennent alors des mécanismes de suradaptation à la terreur à laquelle il participe lui-même. Duch attendait son arrestation, il attendait sa mort à cette époque-là. L'accusé a présenté des épisodes dépressifs au cours de son existence. Un premier épisode dépressif que nous avons analysé et investigué et retrouvé à Dr. Kassoun Bonnat en 1979, avant l'arrivée des Vietnamiens, quand il était encore à S21. Puis un autre épisode dépressif en 1981-1982. Deux symptômes traduiront lorsqu'il était à la frontière thaïlandaise. Deux symptômes traduiront l'état dépressif chez lui. L'insomnie, insomnia, alors que d'habitude, l'accusé dort très bien, well, et ce qu'il appelle la rumination, c'est-à-dire le fait qu'il était sujet à des ambivalences, une chose et son contraire existe, des doutes et un ralentissement psychomoteur. Il ruminait. Pourquoi ruminait-il? Il ruminait, comme il dit, car il ne savait pas comment, en tant que fils aîné de ses parents, annoncer à ces derniers la mort par famine de deux de ses sœurs, d'un de ses beaux-frères et de six de ses neveux. Enfin, que dire pour terminer la biographie de la vie sentimentale et spirituelle? Il y a eu cette déception amoureuse à 20 ans. So he faced this romantic disappointment at the age of 20, but he gets married in 1976 with another woman after having requested the permission from Sun Sen, who granted it to him. Il aura quatre enfants. And he will bear four children. Despite his job at S21, despite the fact that he knew that there were children at S21 who were going to die, Duke was able to have children. And I will quote this, I did not want to see, I did not want to know, he said. Directeur de S21 et bon père de famille. Le mécanisme psychologique du clivage est très présent dans la psychologie de Duch, c'est-à-dire que dans sa psychologie, il est capable de cloisonner de manière étanche entre différents domaines de sa vie, différentes activités, différentes pensées. Par ailleurs, l'accusé n'exprimait aucune tristesse en 2008, quand nous l'avons vu les premières fois, quant au fait de ne pas voir ses enfants. Regarding the fact de même, that he could not see his children, and in the same way, the murder of his wife in 1995, when their house was burglarized, sans grande émotion. Well, he spoke about this without much emotion. Dernière, but we must note that last week, he spoke about his family in a completely different manner, with much less distance. And he also said that he saw his family in detention. So, therefore, regarding the family, things have changed. In 1996, Duke converts to Christianity, as he is strongly influenced by an evangelist preacher. God replaced communism. Dieu, Jésus, God, Jesus, sont maintenant un nouvel idéal. Are ce sont de nouveaux maîtres. There are new masters. Avec le même zèle que ses maîtres précédents. Pourquoi le christianisme? Tout d'abord, le baptême chrétien offre la possibilité de renaissance. Il vécut aussi comme une renaissance au moment de la conversion. Mais également parce que c'est la religion du plus fort, nous dira-t-il, nous a-t-il dit en 2008 à ses yeux. En faisant cette analyse, c'est le christianisme qui a vaincu le communisme en Pologne
comme ailleurs, defeated communism in Poland as well as elsewhere, and also because this allows him to acquire a new identity, an individual identity, and no longer a common identity as when he was a communist. The need to believe has a great influence on the structuring of his personality. And I'd like to mention here, this is an excerpt from session number 5 on March 3, 2008. We cannot leave without belief. I first believed that the communists could save my country, but now I know that it is God. End of quote. Dutch est-il atteint de troubles suffering from mental disorders? Non. No. Nous n'avons décelé aucun trouble mental chez l'accusé. Dutch n'est atteint ni de névrose, ni de psychose, ni de psychopathie, ni de perversion. La perversion étant entendue au sens sexuel du terme dans le système de classification occidentaux des troubles mentaux. Par contre, ce système classificatoire occidental, la question de la perversité pourrait se discuter. Dans la conception occidentale, in Western, le déni, in the Western way of thinking, denial, manipulation, exercée sur les autres de façon contrôlée, sont constitutifs de ce que l'on décrit par la perversité. Part of what we describe et as being perversion, ce qu'était Dutch à l'époque des Khmer Rouges et ce que l'on peut encore voir period, à travers certaines marques de cette fabrication Khmer Rouge, pourront on dire, parfois consequences of this Khmer Rouge shaping. Alors, and that are still present in Duke's character today. So how may we explain the psychological behavior of the accused? And in particular, pour ce faire, during the Khmer Rouge period, in order to do so, we have to understand the extreme implication that there is between common history individuel dans la vie de Dutch. La notion de désordre type, c'est un concept bizarre forgé par l'ethnopsychiatre Georges Devereux, en rend très bien compte de cette articulation chacun de notre histoire collective et histoire singulière. Ce terme, désordre type, désigne un ensemble de troubles psychologiques d'origine à la fois psychologique et psychological as well as sociopolitical origin, au type de société which is characteristic of the societies that produce these disorders. Le fonctionnement psychologique d'un individu donné of a given individual is comparable avec le fonctionnement collectif de la société entière à un certain moment donné de son existence. Voilà ce que l'on appelle l'analogie entre l'histoire collective du Cambodge et l'histoire personnelle de Dutch tient au fait que le pays comme l'individu ont connu des acculturations successives et massives entre différents systèmes culturels. Suivi également d'une déculturation, pour reprendre le terme cité plus haut, qui a été brutale et radicale, à savoir la nouvelle identité individuelle et collective fabriquée par les Khmer Rouges. Puis, il y a eu l'instauration d'une organisation traumatique dans le pays et chez les individus qui devaient s'y adapter ou périr. La méfiance, la peur généralisée, l'incitation à l'éradication des émotions et de toute pensée personnelle au profit d'une nouvelle identité collective. To the benefit of ce a diagnostic new common psychopolitique identity. Ne soustrait absolument pas l'accusé à la responsabilité individuelle de ses actes. Un diagnostic psychopolitique ne soustrait pas l'accusé. Cette articulation entre histoire singulière et histoire collective se fait comment? Elle se fait par le biais de ce que l'on appelle des émotions politiques. Les émotions politiques, ce sont des émotions qui sont produites par le collectif, c'est-à-dire des éléments culturels, politiques ou économiques. Les émotions politiques peuvent également être produites par des émotions singulières également d'ordre privé qui vont trouver une résolution dans le collectif, c'est-à-dire dans la participation notamment à la politique. That is to say, in participating in the political context. Qui vont produire des émotions politiques. Emotions that are going to produce political emotions ce sont toujours are les mêmes, always the same. Même type d'événement. The same kind il s'agit d'expériences d'humiliation,
Il s'agit de déception, il s'agit de honte culturelle ou individuelle, il s'agit de dévalorisation, de colère, anger, de la tristesse sadness, ou du mépris. Or contempt. À ce propos, excusez-moi, juste pour revenir 5 minutes à la fin de sa biographie, j'ai oublié de mentionner qu'il y avait également que les déceptions, puisque je les cite là, sont très présentes dans sa vie. Des déceptions d'amour propre, notamment par son échec au baccalauréat, qu'il finira par avoir, déceptions sentimentales, et également déceptions idéologiques qui sont présentes dans la vie de l'accusé. Present in the accused's son intelligence life. Est vive. His intelligence il a is sharp. Une excellente capacité de mémoire à long terme. Mnemonic abilities. Dutch est l'homme d'une seule idée, d'une seule pensée à la fois. À la question des co-juges d'instruction, Dutch est-il influençable et impressionnable? Nous avons répondu oui. Ceci a été mis en évidence maintes fois lors de l'analyse psychologique de son parcours de vie présenté plus haut. Alors, quels sont les caractéristiques principales du fonctionnement psychologique de Dutch tant à l'époque des faits incriminés qu'aujourd'hui? La dévalorisation est très tôt présente chez Dutch. Il chercha à la compenser par les études, par un travail acharné et par le besoin de modèles masculins fortement idéalisés dont il cherchera inlassablement la reconnaissance. Cette reconnaissance des figures de maître va lui donner le sentiment d'avoir une identité propre, de construire sa propre identité à travers l'image des maîtres. M. Sundbunat aura l'occasion de revenir sur la place des maîtres dans la culture cambodgienne. En tant que perfectionniste, il se contrôle. Il faut tout contrôler, d'où la prégnance chez lui de très obsessionnel. Très obsessionnel, c'est-à-dire il est méticuleux, consciencieux, soucieux du contrôle, aware, du détail, jusqu'à s'y perdre. Dutch est toujours recours à la raison, à la logique, à des modèles mathématiques, mathematical models et dans ses analyses. And in his analysis. L'identité singulière est littéralement écrasée, si je puis dire, au profit du façonnage de la seule identité qui a de l'importance à ses yeux, c'est-à-dire l'identité collective. L'inconscient, cela n'existe pas. Ce qui gêne, ce qui fait ruminer, selon ses paroles, réfléchir, douter, ce qui n'est pas logique, ce qu'il ne comprend pas, est activement chassé de sa conscience. C'est ce qu'on appelle le déni. This is what we call This is also what we call splitting in our son jargon. Mode, son monde his, intérieur, pardon, est séparé en bastions étanches, nous l'avons dit, entre lesquels aucune information ne doit filtrer. Clivage entre pensée et les affections, et l'affect, enfin les émotions, clivage entre différentes parties de lui-même. Splitting between different parts of afin de maintenir hors du champ de la conscience ce qu'il ne veut pas voir ou accepter de lui comme de la réalité extérieure, il aura recours aux différents mécanismes de défense suivants. Le déni, le clivage, nous l'avons expliqué, mais également la rationalisation, par exemple, de dire for je n'avais pas le choix, saying, l'isolement, choice, la mise à distance des faits, par exemple par multiples reprises, des descriptions chirurgicales du tout, such as describing in a certain way everything, autre mécanisme de défense très présent, c'est l'évitement, qui est très présent, c'est je ne voulais pas voir. Il ne répond pas aux questions qui le gênent et il s'embourbe dans des rationalisations confuses dès qu'il est en contact avec ce qu'il ne veut pas ou ne peut pas accepter de lui. C'est ce que nous avons également constaté lors des entretiens d'expertise. Autre élément caractéristique de sa personnalité, ce que nous appelons is what we call alexithymia. C'est un concept clinique qui désigne l'incapacité de l'accusé à ressentir consciemment des émotions et à les verbaliser. Ceci n'est pas à mettre sur le compte de la culture sino-cambodgienne, même s'il y a des éléments culturels qui interviennent et, en tant qu'astronaute, il reviendra probablement.
this, and Dr. Sumbunat will probably get back to this today. His way of thinking is pragmatic. On pense ce qui est praticable, selon son expression. C'est donc ce qui est praticable et pensable. Une chose n'existe que si elle est prouvée, selon le système de logique propre. According to the logical thinking of the accused, otherwise it has no reality in his eyes. But nous avons cependant constaté la semaine dernière, là aussi, une évolution sur ce point-là, et notamment due à l'impact, là aussi, des 4 mois de procès, 5 mois de procès, pardon. Autre élément qui caractérise le fonctionnement psychologique de l'accusé, c'est ce qu'on appelle la désempathie. La désempathie, c'est l'incapacité à penser les pensées des autres. C'est l'incapacité à ressentir les émotions d'un autre. La désempathie, c'est l'incapacité à penser qu'un autre est également différent de soi. Ceci arrive quand le sujet lui-même n'a pas ou n'a plus conscience d'avoir une identité propre du fait, par exemple, de la fabrication par l'idéologie collectiviste, notamment à l'époque de Khmer Rouge. La désempathie est présente chez Dutch, qui a tué en lui toute identité personnelle kind of au profit d'une identification avec une identité collective. Hier, le communisme, aujourd'hui, le christianisme. Mais il est à noter que cette désempathie n'est pas absolue ou totale. Là aussi, il y a une, constaté une évolution change, de cet however, aspect-là qui était très présent, aspect, notamment encore au début du rapport d'expertise. Dans le rapport d'expertise, nous avons listé et commenté toutes les situations de désempathie fort nombreuses perçues dans le discours de Dutch au cours de son expertise psychologique de 2008. Nous ne pouvons pas donner un exemple, mais juste un court exemple. Lorsque il dit, je prie pour que les autres me comprennent. Dutch ne prie pas pour l'âme des morts lorsqu'il dit ça, mais pour un bénéfice pour quelque chose le concernant. Les racines de ce manque d'empathie sont cependant antérieures à la fabrication d'identité de la période Khmer Rouge. Elle a été renforcée et elle a été utilisée par le régime Khmer Rouge. Le communisme était alors un outil absolu de l'Ankara. Dutch, en perfectionniste, s'y est plié. As a perfectionist completely abided by it, the roots of this disempathy, however, are prior to this, as in childhood as well, when it was necessary for him to restore the father figure, and we find also in his whole dealings with the stoicism, there is in Duke a full absence of guilt in the Western or psychoanalytical sense of the term. There is no depression right now that could demonstrate any form of guilt, but there are indeed regrets, there is remorse, and we can also say that guilt is something that was inaccessible to him up until now because it supposes the ability to empathize, and it supposes the end of splitting, and it supposes the acquisition of self-identity. These again are elements that we noticed en évolution par rapport à ce que nous avons dit, changing, mais c'est comme si effectivement il y avait une sortie de tous ces éléments dont nous parlons now, de clivage dernier point, comment expliquer le fonctionnement psychologique de Dutch? On ne naît pas tortionnaire. No one is born a torturer, whether we order torture or whether we implement torture, but we become a torturer. Before becoming a torturer who dehumanizes his victims, le tortionnaire the torturer has always, first been dehumanized himself before. This, of course, is not an excuse. No. We would like to insist upon this, but it is a key to understand the psychological functioning of a criminal who has committed crimes against humanity.
ailleurs, par ailleurs. And which also applies for other criminals against the humanity who were also analyzed in other circumstances. So this implies on a été déshumanisé, c'est aussi ce que montrent en grande majorité les études cliniques qui ont été faites, notamment depuis le procès de Nuremberg qui a eu lieu en Allemagne en 1945. Ce qui déshumanise, ce sont les expériences vécues ou vues d'humiliation culturelle ou des expériences d'humiliation personnelles. Ce sont des déceptions, ce sont des blessures d'amour-propre qui peuvent avoir lieu très tôt dans l'enfance ou à l'adolescence, dont le sujet peut avoir conscience, mais dont il ne perçoit pas forcément l'importance de la charge inconsciente et à long terme, qui évolue à part de ça. Tout est alors fait pour compenser ces vécus. Compensate for this experience with humiliation. Tout est fait pour everything is done to compensate this, toute existence at the risk of denying any kind of existence for any kind of existence for the social class that we consider as responsible for this. So he first suppressed any form of identity within himself as before suppressing it in the other. Duke is psychiatrically responsible for his acts. He suffers from no mental pathology. We have said he made choices which he thought were right when he made these choices. He was convinced by the philosophy of communism, including during a great period of time when he was at the head of S21. And he agreed, if he is easily impressed or influenceable, he is so within a realm of belief of which he shares the world vision. And then finally, we answered yes to the question, which is can Duke be rehabilitated or reintegrated? Yes, he can. He may be, because we noticed that during his life, he was always able to adapt to all of these new successive life situations. Ce que nous avions à dire, je pense, to say, si, Mr. President, je ne sais pas, peut-être avec votre accord, est-ce que le professeur Casson-Bonnat peut rajouter des Mr. éléments, ou si vous souhaitez que ce elements, soit l'objet de la discussion, what I just said to be the base of our discussion now. The President, Mr. Casson-Bonnat, you can proceed now. Casson-Bonnat, je vous invite à intervenir. Thank you, Mr. President. In Cambodian culture, dans la culture cambodgienne, we usually habituellement have our children to study with their mentors, that is, the monks. And this practice has been continuing in. C'est une pratique, and that's why we respect our mentors a lot, because of the way our parents have us studied with the mentors. As usually the parents would say, whatever it takes for the mentors to do in order to educate the children, and the parents only want to have their eyes back. And that is the notion of high respect committed by the students upon their mentors. And Mr. Deutsch, ce he had high respect comme c'est le cas for his Duke. Mentor. Duke avait, une grande estime pour ses the mentor was his mentor, role model, dans le cas de was Duke, his guidance, en fait, son and that's why he was very loyal model. To his master, Sensei. Il a fait preuve de loyauté vis-à-vis de son maître, Sensei. The President, now it is appropriate time for le président, a break. The Chamber will take 20 minutes adjournment until 10 to 11 when it resumes. À 10h50. Court officer, can you provide necessary refreshments je to the two experts de bien vouloir s'occuper during the break des and please pendant la pause bring them back before the chamber when the chamber resumes. La reprise. The hearing is now adjourned. All rise, says the greffier. La greffière. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever.